Oups, oui, c'est bien moi, Toto. Par contre, il est préférable de ne pas prendre ce chemin de traverse pour visiter ma collection. Yaoranaï Maeva dans cette nouvelle vidéo spéciale hors série numéro 49. Comment allez-vous, les amis? Aujourd'hui, mardi 2 mars 2021, je me rends chez Sugoi Market. Regardez cette superbe boîte de Goldorak Infinitism. N'hésitez plus, cette figurine à assembler sans collage est faite pour vous uniquement chez Sugoi Market. J'ai réservé une figurine de Bulma de l'anime Dragon Ball. Et la voici, elle est de la gamme Glitter and Glamours. Merci au staff, vous êtes géniaux. Bien sûr, un grand merci à JP. Il est temps à présent de rentrer à la maison. Me voici de retour dans ma chambre de méditation. Et j'immortalise ce nouvel arrivage. Alors, je suis de la génération du club Dorothée et donc un fan de Dragon Ball dès sa première diffusion à la télévision en mars 1988. C'est ainsi que ce petit personnage au style Kung Fu Fu qui est Son Goku m'avait de suite tapé à l'œil. Ainsi, dans ma collection, j'essaie d'être raisonnable et de rester sur Son Goku sans m'éparpiller sur les autres personnages tels que Krillin, Tortue Géniale, etc. même si cela est trop tentant. Au pire, me connaissant, j'aurais entamé une collection comme pour Star Wars. Je préfère le Son Goku de Dragon Ball, donc je ne collectionnerai pas celui de la série Z, GT ou Super. Alors, pourquoi avoir acheté cette jolie figurine de Bulma? Eh bien, d'une part, Bulma était le premier personnage féminin que Son Goku ait rencontré de toute son existence dans l'épisode 1, et je trouve cela hilarant, et d'autre part, il y a ce dicton intéressant de « toujours par deux ils vont, ni plus, ni moins ». Donc, il est légitime que Bulma soit ce second personnage que je collectionnerai. Je vais vous faire un petit tour de mes figurines de Son Goku, mais tout d'abord, je m'attarderai sur cette paire de lunettes de soleil. Eh bien, c'est la toute première paire que j'avais offert à ma fille quand elle avait tout juste 2 ans pour se rendre à la plage. Et depuis, ma fille est devenue une jeune femme, eh bien, j'ai gardé sa paire ici, dans ma chambre de méditation. Le mini pare-soleil de BB-8, je l'ai fabriqué et je vous expliquerai le pourquoi du comment, certainement dans une prochaine vidéo. Tiens, pourquoi pas avec les fameuses plaques d'immatriculation qui sont dans ma chambre de méditation. Et sur le siège avant, un autre quand il est replié. Et voici ma collection du personnage de Son Goku. La règle des Super Nana est à ma fille. On lui avait acheté lors de la visite de SeaWorld sur la Gold Coast. Elle avait 5 ans comme ici, avec sa maman et son toutou adoré. Alors, de ce côté-ci, le temps d'enlever cette boîte du Stormtrooper. Ouais, on n'y voit pas plus guère. Voilà, c'est mieux ainsi. Cette figurine est trop parlante. Le fait de le voir courir avec un carton de bouteille de lait, est-ce que la bouteille va tomber? Va-t-il trébucher par la suite? Ou alors se cogner à un gros méchant qui va lui casser toutes ses bouteilles? Je reste ébahi tellement sa réalisation est quasi parfaite. C'est craquant d'autant plus qu'il existe une version monochrome. Le sculpteur n'est autre que Go, lors du concours BWFC Band Presto World Figure Colosseum. Et voici la version monochrome. J'avais acheté ces deux figurines lors de mon passage à Nakano Broadway pendant que madame était occupée chez Daisho. Allez, je poursuis le déballage de la figurine de Bulma par Van Presto. Pas de collage, juste quelques clipsages. Et voici cette superbe figurine de Bulma, prête à en découdre face à l'armée du ruban rouge.
je vous laisse admirer cette sublime Bulma. Cette version monochrome est magnifique, surtout avec un petit clin d'œil à Tortue Géniale. Et voilà, se termine cette vidéo spéciale hors série avec le personnage de Bulma de l'anime Dragon Ball. Maururu de l'avoir visionné jusqu'au bout. Maururu également si vous aimez cette vidéo en mettant un fulgure pouce levé et si vous vous abonnez à ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis, telle est la voie. Allez, nana !